Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous souhaité participer à ce concours de plaidoirie? C'est un rendez-vous immanquable pour les avocats, pour les lycéens et depuis l'année dernière pour les élèves avocats. Défendre une cause juste devant un auditoire composé de praticiens et de personnes qui s'intéressent au combat des droits de l'homme était pour moi important. Et pourquoi avez-vous choisi de défendre cette cause en particulier? Parce que cette cause, comme toutes les autres causes, concerne les droits de l'homme. Mais surtout parce que celle-ci n'a pas eu la chance d'avoir l'écho des médias. C'est la principale raison. Les droits de l'homme ne sont pas forcément là où on croit, ils sont partout. Et pourquoi avez-vous voulu défendre cette cause ici en mémorial en particulier? Parce que si on ne la défend pas ici, elle n'aura vraiment aucun écho. Déjà que cette cause-là n'avait aucun écho médiatique, mais en parler avec des amis, autour d'un public averti, c'est une chose. Mais pouvoir le plaider au mémorial de Caen qui a cette histoire-là, c'était vraiment essentiel. Et qu'avez-vous ressenti avant d'aller plaider cette cause Au début, peut-être un peu de stress, ce qui est normal. Mais disons qu'après, on sent vraiment que c'est un cas réel et donc on a un rôle à jouer, un rôle important. Et comment vous sentez-vous maintenant? Détendu.